Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le match tant attendu, France-Irlande. Deux des gros favoris de ce tournoi s'affrontent aujourd'hui. La France a l'avantage du terrain de jouer à domicile. On va jouer avec la France. Je perds en ce moment mes matchs, je vous l'accorde, mais on va avoir espoir d'aller chercher la gagne aujourd'hui. On va sortir Olivon qui, lui, c'est sûr, ne sera pas là. Et on va mettre... qui ? Je crois qu'il y avait Crétin. Pourquoi pas tenter ça derrière, bon, je sais que Vakata avait été renvoyé, mais alors... C'était Danti, hein. Je crois que c'est Danti face à l'Italie. Voilà. Et Moefana à la place de Vakatawa au cas où. Moi j'aime bien Demba Bamba, mais c'est vrai qu'il n'est pas titulaire. Il préfère Antonio. Bon, ça tient la route là, notre équipe. Ça tient la route. Maintenant, il va falloir ne pas se rater. Mathieu Jalibert plutôt que Thomas Ramos. On verra, c'est vrai que je sais pas s'il va revenir, s'il revient de blessure, et s'il revient en forme, face à l'Italie il n'y était pas, Jalibert, mais voilà. Donc vous voyez, hein, en haut à gauche, légende, match de 10 minutes. Là on y va, et on va en chier, qui a gagné, quel pays a gagné le plus de titres en challenge européen? Ah, c'est l'Angleterre, j'ai tenté la phrase, c'était sûr que c'était pas l'Irlande. Voilà. Les joueurs sont toujours bien faits, franchement, la qualité, et l'équipe de France, tu sens que c'est le studio français, les joueurs français ont été, les joueurs irlandais, un peu star, Sexton, ils étaient vraiment très bien, mais c'est drôle, les joueurs français, ça va peut-être arriver avec des patchs, attention, mais regardez, les joueurs irlandais, il y en a beaucoup plus. Alors pourquoi il n'y a pas Bundiaki et Jack Conan, je ne sais pas. Il n'y avait pas James Lowe face au Pays de Galles, c'était genre du connard là. C'est marrant, il avait un côté un peu style, dites-moi si je me trompe, mais un peu Gabriel Lacroix, avec son casque blanc, et il est un peu foufou, dynamique. Allez, en tout cas, on va être concentré parce que c'est vrai que... je sais que je peux gagner des matchs en légende, mais c'est vrai que c'est difficile. Mais moi j'aime bien le challenge. Moi, encore une fois. Allez, c'est Gaël Ficou qui va taper le drop. Non, il va passer à côté. Mais pourquoi c'est Ficou aussi? Pourquoi ils ne mettent pas une tamac? Allez, Jaminé. Il y a peut-être quelque chose à faire. Jaminé, il élimine James Law. Il élimine. Oh là là, il allait à l'essai. C'est bon, on y va. Ah dommage, Jaminé, il élimine un joueur, deux joueurs, trois joueurs. Et puis sur le quatrième joueur, je sais pas si c'est Gibson Park ou Connor Murray, il a dominé. Je sais pas si c'est Gibson Park, vu l'apparence. Et le plaquage, je crois que c'est du demi de mêlée irlandais qui fait commettre l'un avant à Jaminé, malheureusement. Gibson Park puts the ball in. Allez, une bonne mêlée, messieurs les Français. Non. Volera pas. Allez, il faut monter fort. Voilà. Oh là là. Non. Allez, là, je sais pas quoi faire. Elle revient à l'avant. Voilà. Ça a rien. C'est dommage. J'ai tapé le ballon au lieu. Mais franchement, si on ne tape pas le ballon, mais que Ntamack il le ramasse, il y a Ntamack plus Gabin Villière. Il y a peut-être quelque chose à faire sur cette action. C'est dommage. Now the forwards are getting set for this scrum, about 45 yards out. Allez, une bonne mêlée. Je vais pas aller au combat face aux Irlandais. Je vais la sortir rapidement. Et on voyait Gaël Ficou, on sait qu'il est capable. Non, il trouve Jonathan Monti, Damien Penon, et on va marquer le premier essai du match. Voilà, je l'ai dit. Ok, j'ai perdu avec la France face à l'Italie, j'ai perdu si vous avez vu avec le Pays de Galles face à l'Écosse sur un essai un peu, voilà, limite. Mais là, en plus, on a toute l'action. Ce lancement de jeu parfait de l'équipe de France avec Antoine Dupont qui sort la balle pour Gaël Ficou. Gaël Ficou, on fixe Ringrose. Danti qui fixe Keenan et Damien Penaud qui peut aller à l'essai parfaitement. Allez. So the kicker, all set for the conversion. Romain Ntamack. Ouais, ça va pas être facile. Rossi, elle est belle. Elle revient. Mais 7-0. Voilà, ça c'est bon.
Cyril ba... pardon. Cyril Baye qui félicite Romelin Tabak. Well taken. Allez, Jaminé. On m'a dit de tenter plutôt. Oui, on l'a tenté. Voilà, tu seras content. On a tenté la chandelle. Le jeu au pied est bon, ça sera pas un 50-2. Dommage. Ah non, mais Penaud qui se fait éliminer par James Long. Attention. Love qui a une très bonne ailier, mais bon, pour l'instant, c'est. J'ai pas mémorisé son nom alors qu'il a été élu meilleur joueur hein, sur le match face au Pays de Galles. Désolé. Allez. Oh, on n'était pas loin, on n'était pas loin de le récupérer. And the attack leads to a ruck. A ruck's formed. They still have control of the ball. Oh là 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 là, le Zirouan mec qui s'énerve là, voilà. Ah, on n'arrive pas à la gratter cette balle. Non, mais Gabin Villiers qui s'est fait passer. Oh là là, heureusement, il y a Antoine Dupont qui vient nous sauver. Oh, il était à la limite d'être poussé en touche, mais non. Ah, les Irlandais qui sont en train de s'énerver là. Voilà, ils n'ont pas aimé concéder ce premier essai du match. It looks like they're going to try something special here, Ben, something magic. That's right, Nick. It'll be really interesting to see what exactly. Non, au final, ils reviennent avec les gros. Not bad, but well countered. Great read from the defense. Gibson Park passes to Conan. Allez. They've managed to keep possession of the ball. Oh, oui, voilà. Placage à deux, c'est bien. Siku et Villiers. Oh, he's got it out of the tackle. Hey, il joue bien les Irlandais, ils vont nous faire mal là. Allez, on y va. Oh, on n'était pas loin de la récupérer, attention. C'est bien, Cyril Baye. Et on retrouve Dupont. Il faut faire peut-être un petit pick and go avec Cyril Baye là. Voilà, le temps de laisser Antoine Dupont revenir. Bon, on trouve la touche, on pose le jeu là, parce qu'on en avait bien besoin. Et on vole la balle, parfait. Dupont, Cross, un Tamac. Allez, Aldrit. Dylan Cretin. Oh, les héros dans les rucks, les Irlandais. C'est du solide. Ce passe laser. Attention, Gibson Park. The referee says that's a rock. Oh, that is such a shame. They couldn't quite finish the job. Just needed that. Allez, on est pas mal, on est pas mal. On a réussi à. C'est dommage, on a perdu vite la balle après, mais clairement, on est incapable de faire la conservation de balle. Hein. Nombre de temps de jeu qu'ils font, c'est impossible en légende. Même déjà face à une équipe moins forte que nous, mais alors dans une équipe sensiblement la même, légèrement au-dessus comme là. Aïe aïe aïe, on est pénalisé, on a mis les mains dans le rug, Jonathan Danti. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce que Sexton va prendre les 3 points? Ça me paraît possible. Non, ils vont en touche. Ils vont en touche et ils trouvent une belle touche dans les 22. Dans les 22. Ah, dommage. Dans nos 22. They've managed to keep possession of the ball. Allez, il faut se jeter dessus là. Ah, on n'arrive même pas à profiter là de cette mauvaise passe, ce mauvais lancement. Really sharp thinking for that pass. They've kept possession at the back of this ruck. They set up a ruck. Yep, that could have gone better. Well, they tried it, but it just didn't come off. They keep the ball. Impossible là. C'est leur conservation de balle, elle est. It's a ruck. Allez. Turnover ball. Là c'est la mi-temps, on envoie une touche, on mène 7-0 de manière un peu inespérée parce que clairement on ne touche pas un ballon. Alors oui on a mis un essai mais on va pas faire de suite des remplacements, hein. On va attendre autour de la 50-55e pour mettre de la fraîcheur. Aldrit.
Allez, boum. Ah ouais, mais là, ça, là c'est chaud, là. Là, c'est chaud, là. Moi, je fais un point de fixation. Mais en fait, il nous coûte tellement cher, ce point de fixation. Et il nous coûte même extrêmement cher, vu que James Love nous met à l'amende. Aïe. Mais c'est terrible, là, c'est rock. C'est difficile. En fait, le truc, c'est qu'en légende, il faut avoir un timing quasi parfait. Et quasi parfait, vraiment, hein. C'est-à-dire que si vous avez une équipe vraiment plus forte que l'adversaire, ça va pas forcément vous demander un timing parfait, parfait. Mais là, face à une équipe irlandaise, voilà, c'est clairement le timing parfait qu'il demande. Jaminé. Oh, mais fais ta passe, Damien Penaud. Et on va tenter le 50-22. Ah, c'est protégé. Attention de ne pas se faire avoir. Allez, on va tenter une relance. Ah non, on relance avec Cyril Bailly. Grégory Aldrit. Allez. Cretin. Je sais pas quoi faire. On va positionner un tamac. Voilà, là-bas. Ah, mais ils sont en. Keenan, mais ça va. Benoît était là. Bon, pas d'inquiétude non plus, on est à 7-7, on peut le gagner ce match. La France qui devrait gagner ce match. Enfin, bon, les Irlandais sont très forts, mais je pense que la France part un peu favorite quand même face à l'Irlande. Jouant à domicile, voilà, il y a vraiment moyen pour la France de gagner ce match. Antonio, il fallait la récupérer. Allez, Gavin Villiers. Oh là là, je vous dis, c'est vraiment. Allez, Williams. On essaie de faire du temps de jeu là. Tamac. Mais non, mais qu'est-ce que c'est ce passe? Tu peux pas faire ça, pas comme ça. C'est incroyable ça. On peut pas se permettre ça face à l'Irlande. Hors-jeu volontaire de Tad Fjellner. Ouh, ça c'est une pénalité. Est-ce que... Elle est difficile. On va la tenter. Mais elle est vraiment difficile, celle-là. Elle est vraiment pas simple. Allez. De la puissance. Et ça va passer. Tout ça, c'est de Romain Tamac. Oui, on l'a vu. Elle est buteur maintenant. Ça, c'est cool. Honnêtement, c'est difficile, mais c'est cool parce que maintenant, il y a de la puissance. Et le, c'est, en fait, il y a un en avant repris devant, hein, clairement, par Tad Furlong. Tant mieux pour nous, Jaminé. Joli jeu au pied. Allez, Villiers. Et il en avant. En avant, c'est parfait. De Gibson Park. J'aimerais bien faire un remplacement, moi. Je sais pas ce que c'est, mais on va la tenter. En attendant, on va faire les remplacements. Bon, Antonio, il est cramé. De toute façon, on va faire entrer les deux piliers. On va faire changer toute la première ligne. Donc, on a les remplaçants pour ça. Taofi Fenoy en deuxième ligne, il remplace qui c'est qui le plus fatigué? Kif. Sortir Woki. Moefana, c'est qui le plus fatigué parmi nos centres et liés? Ça a l'air d'être Danti. Jalibert, il remplace qui? Jaminé ou Ntamack? Allez, il va remplacer Jaminé. On va le mettre à l'arrière. Et je longe. Lucu, on va le garder au cas où. Et je longe en troisième ligne. Il va remplacer. Il va remplacer Cretin. Allez! On va avoir beaucoup de remplacements après cette action. En attendant, on a quand même, pour les derniers, avant de sortir, il y a une dernière mêlée, une dernière action à jouer. Dupont puts the ball in. The number 9 frees the ball. That's not what they planned. Pas ce que c'était ce départ, mais. They are in place. On va tenter une autre commise. Everyone needs to time his run correctly. Very skillful handling. Ouais, elle est pas mal. Ouais, dommage. Il y avait de l'idée. Il faut insister peut-être même sans cela. Allez, Danti. Ntamack. Ah, il cross le truc, c'est que là. Oui. Penaud. Mais fais ta passe. Bah, il relève la balle, mais il fait pas la passe. Aïe. Faut pas rager. Mais là, honnêtement, il relève la balle des fois tout seul. Et puis après, tu t'appuies sur passe. Et puis. Il s'ouvre. C'est pas là. C'est.
ils veulent jouer à ce jeu. Et ben nous aussi on peut jouer à ce jeu. On va faire un bolt. Ils ont gardé debout Romain Tamac. Et ben voilà, on avance, on avance, on avance. On va l'extraire un peu en avance. Et ben bye. That is top, top defense. Cameron Mouki avant sa sortie. Dupont qui sort la balle, qui relève la balle, cross. Allez, Gabin Villière, Gabin Villière. Rock. Ah, il est poussé. Dommage, on a tenté. J'avais envie d'essayer de jouer au pied après. Allez. Dans un timing pas mal. Ah, dommage. C'est eux cette fois-ci. C'est eux qui veulent faire un maul. Allez, vite, il faut les stopper là. Mais qu'est-ce qu'il fait regarder le joueur devant là? Quelques légers bugs. Attacking options here for the number 9. Le... Oh là là, heureusement qu'il y a l'an avant parce que là, le départ aura là du 2020. Franchement, t'as des animations. C'était bien fait ce départ aura, honnêtement, j'y m'y attendais pas. L'IA offensivement, franchement, elle est très intéressante. Comme je vous dis, pour moi, il faut juste nous donner plus de profondeur. Pour moi, ça me semble capital. C'est que les défenses sont beaucoup trop agressives. Hormis ben, sur les lancements de jeu comme ça, où là, ça va. Non, mais c'est. Fana, on retrouve Penaud. Penaud refait la passe. Dupont refait la passe à Penaud. Dupont en tombant. Romain Taouti fait noir. Allez, Damien Penaud. Allez, je sens le 50. Non, pas du tout. Pas du tout. Ça m'énerve. On arrive à m'en faire des 50, mais moi j'ai pas réussi une seule fois. Bon, on mène 10 à 7 quand même. La victoire est pas loin pour l'équipe de France face à l'Iran. S'ils peuvent gagner juste le 3 points, les Français ils prennent ce week-end. Je vous le dis. Allez, Moefana. Il va essayer de relever la balle. Allez. Allez, regardez. On va tenter une petite combi. Allez. Ouais, c'est... il y avait une idée, mais les Irlandais sont bons. Ouh là là. Non. Non, 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 pas comme ça. Pas après tout ce que tu as fait. Ouh là là. Ouh, heureusement. Elle passe en avant. Ouh là là là. Et même en reprise, il s'était devant. Hein. Il aurait pu avoir pénalité. Il était déjà. On a vu un joueur aller se replacer. Deux minutes à tenir, qu'est-ce que ça veut dire? C'est la dernière action. C'est la dernière action. Vous avez vu comment on a du mal à gagner, je vais pas la jouer. Alors je vais la tenter, mais si après à la 80e, on a la balle. Moefana, bien joué, le crochet. Gabin Villière, on fixe les deux, on retrouve Moefana. Attention, c'est fini. Bon, Dupont, il va pas se faire briller. On va envoyer en touche, on a gagné 10 à 7. Et cette pénalité hein, de 48 mètres à peu près, légèrement sur le côté, elle a été importante, très importante. Vu qu'au final, c'est ça qui nous donne la gagne. Moi je pense que la France peut gagner, voilà, l'Irlande est très forte, je dirais que l'Irlande c'est la meilleure équipe de ce tournoi destination à mon avis, vraiment. Cependant la France a cet avantage de jouer à domicile qui est très important, parce qu'on le sait très bien, l'apport du public, dans les choix arbitraux litigieux, on sait très bien que ça a malheureusement beaucoup d'importance, c'est pour ça que je vais voir plutôt la France gagner ce match, je vois la France gagner, voilà. J'ai ce sentiment là, quel club est le plus titré du championnat anglais? C'est évidemment les Tigers de Leicester et qui sont peut-être les favoris pour aller chercher un titre cette année encore une fois. Et ils sont bien partis pour que ce soit Coupe d'Europe et Premier Team. Merci à vous en tout cas, passez une bonne journée, une bonne après-midi, une bonne soirée, que sais-je encore quand vous allez voir cette vidéo. A très bientôt, bye bye.